commencer, ça a été très difficile. Il y en a tellement, et de très belles photos, et des photos émouvantes. C'est pas facile. Mais je crois que la photo qui m'a touché le plus, c'est la photo de la Première Guerre mondiale en France, 1918. File de soldats aveuglés par le gaz de combat à un poste de secours avancé. Alors, ces hommes qui me font penser d'un tableau de Bruegel, où il y a des aveugles qui se tiennent par l'épaule comme ça, et le premier est tombé et les autres vont tomber après lui. Ce sentiment de perte, de futilité, de... Pourquoi ? La question, on devrait... Le titre de cette photo, pour moi, ça pourrait être « Mais pourquoi ?» Et voilà. Encore une fois, dans ce livre, on voit qu'il n'y a aucune différence vraiment, que la guerre soit la guerre civile des États-Unis en 1861, ou que ce soit aujourd'hui en Afghanistan. C'est la même chose. Ce n'est pas l'arme qui fait la différence. C'est l'homme. Et l'homme n'a pas changé.